Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, en province de Liège, c'est Mathis qui va vous donner le cours de gymnastique réveil musculaire avec un travail des muscles et articulations légères. Donc pour les exercices d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une paire de chaussettes assez grosses pour rouler les deux chaussettes ensemble pour faire une boule. Je la lance à Mathis. Et donc avec cette paire de chaussettes, vous allez pouvoir faire des exercices comme on le fait dans nos cours habituellement, mais avec des petites balles. Allez chercher cette paire de chaussettes, mettez la vidéo sur pause, et dès que vous revenez, vous remettez sur play. Donc voilà, ici, pour le premier exercice, on prend la balle dans la main droite, la paire de chaussettes, et on va compresser cette paire de chaussettes en serrant les doigts, et puis on relâche. On serre les doigts, on relâche. Ok, on travaille, on force, on se fait pas mal, on prend bien la paire de chaussettes avec tous les doigts, et alors on serre plusieurs fois. On continue. On fait travailler l'articulation des doigts. On empêche les doigts d'avoir une fermeture, on va dire. Et on permet de forcer avec l'avant-bras la force des doigts. On change de main. Merci. Et on va donc avec la main gauche ici. On serre la chaussette et on redescend. On peut baisser la main. On n'est pas obligé de mettre le bras vers le haut. Parce que si on met le bras vers le haut, on fait trop travailler l'épaule. Ici, on cherche vraiment à faire travailler les doigts. On serre, on relâche et on travaille. On est dans un travail des doigts. Pas oublier de relâcher les doigts. On serre, on relâche. Extra. On relâche un petit peu. On continue l'exercice. On continue un autre exercice. On va mettre la balle dans la main droite. Et on lève le genou gauche. Et on fait passer la balle en dessous, la paire de chaussettes. Et vous avez vu, main droite en dessous de la jambe gauche, main gauche en dessous de la jambe droite. Alors, regardez. Mathis avance un petit peu sur la chaise. Voilà, les pieds sont au sol. Et on va faire le mouvement plus doucement. Beaucoup plus doucement. On ralentit pour Mathis. Le but, c'est de travailler à son rythme. Les pieds sont au sol. Le but ici, c'est de ne pas de se pencher en avant. Il faut lever les genoux. Décoller les pieds du sol pour faire travailler les muscles fléchisseurs de la jambe. C'est pas un concours de rapidité, c'est un travail musculaire léger. Mathis, il fait le concours de celui qui est le plus rapide, mais vous, chez vous, ne faites pas ça, faites le travail calmement. Ok, on relâche les pieds, les jambes, on respire et on va continuer pour l'exercice suivant. Prenez la paire de chaussettes à deux mains, on lance doucement. Un tout petit peu là, les paires de chaussettes, on la rattrape. Le but ici, on lance la paire de chaussettes en l'air, on la rattrape. On est bien équilibré sur sa chaise. On regarde la paire de chaussettes lorsqu'elle quitte nos mains jusqu'à ce qu'elle revienne. Si la paire de chaussettes tombe au sol, on ne saute pas dessus. On va doucement la chercher en fléchissant les jambes, en étant tout en sécurité. Regardez ici, Mathis va chercher la paire de chaussettes. Il fléchit les jambes. Il plie bien les jambes, les fesses vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Et on va essayer maintenant de lancer la paire de chaussettes, taper une fois dans les mains et puis rattraper la paire de chaussettes. Parfait, on le fait deux fois, trois fois. Et on essaye d'être coordonné. On essaie de bien rattraper la paire de chaussettes. Ok, on s'assied et on garde la paire de chaussettes en main. On respire, on arrête l'exercice. Parfait. Alors, pour l'exercice suivant, on prend la paire de chaussettes dans la main droite. On va croiser le bras devant soi pour aller toucher la chaise à gauche. Et puis on revient devant, on change de main, on va toucher la chaise à droite. Et voilà, on va toucher d'un côté et puis de l'autre. Le bras croise devant le corps et on va toucher la chaise à l'opposé. Main gauche, on va toucher la chaise à droite. Main droite, on va toucher la chaise à gauche. En plus de ceci, comme Mathis le fait, ce qu'on va faire, on va avoir une rotation des épaules. Donc quand on va toucher la chaise, on tourne les épaules d'un côté. Et puis on tourne les épaules de l'autre. On fait travailler le dos. On a un petit mouvement. Il ne faut pas aller vite. Mathis va trop vite par rapport à ce que vous devez faire chez vous. Il faut aller doucement, calmement, sans forcer, sans aller trop vite, sans blocage. Et on continue. À côté. Maintenant, on tourne la tête aussi. On regarde derrière soi. On fait le même mouvement. Torsion des épaules. On tourne la tête. Les jambes ne bougent pas. On essaye que ce soit la colonne vertébrale et le dos qui travaillent. Et à chaque fois, on regarde derrière soi. Okay, parfait. Donc ici, pour l'exercice suivant, vous allez vous mettre derrière la chaise. Allez-y, ou bien sur le côté. Ici, Mathis se met sur le côté. Une main sur la chaise pour l'équilibre.
et avec l'autre main, on a la paire de chaussettes. Avec cette paire de chaussettes, on va aller toucher le sol, ou pratiquement, on n'est pas obligé d'aller le toucher, mais ça, on va y aller en fléchissant les jambes. On ne peut pas garder les jambes tendues, sinon c'est le dos qui travaille. Super Mathis, on le fait plusieurs fois doucement. Vous avez vu? Il y a une flexion de jambes, les fesses, le bassin va vers l'arrière, les épaules vers l'avant. La main est là pour équilibrer, la main qui est sur la chaise est là pour équilibrer. Et on le fait encore 5 fois. On plie les jambes, on essaye que le talon reste au sol, les pieds bien à plat au sol. Pas trop vite, hein. Là c'est un peu trop rapide encore une fois. Et on continue encore 2 fois. Et on respire. Ok, on vient s'asseoir sur la chaise. Parfait. Alors, on se remet bien assis sur la chaise. Et ici, on va mettre la paire de chaussettes entre les deux mains. On écarte les coudes vers l'extérieur et on va serrer cette paire de chaussettes. Puis on relâche. On serre la paire de chaussettes et on relâche. Et on le fait comme ceci. On force, on relâche. On le fait encore quelques fois. Continue à faire des petits exercices physiques. Encore combien de fois? Allez, encore 3 fois. Une, deux et trois. Ok, on relâche, on respire. Et voilà, on a fait travailler un petit peu le corps, un petit réveil musculaire de ce matin. C'était Mathis de la province de Liège qui vous donnait ce cours. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Ici, on a bien échauffé le corps, on va continuer. Maintenant, on va faire travailler un peu plus les muscles. Gardez la chaise comme vous l'avez. Moi, je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les exercices. Donc, ici. Je me mets de côté pour vous montrer. On va faire travailler un peu les cuisses. Faites attention à l'équilibre. Attention à ne pas tomber. La sécurité avant tout. On fait attention à soi. Ici, je vais me lever. Hop, je me penche un peu vers l'avant. Je me redresse. Et puis, je viens m'asseoir. De la même façon. Je me redresse. Et je viens m'asseoir. Et on fait ceci plusieurs fois. Vous avez vu? Je ne casse pas le dos, mon dos reste droit. Je me penche en avant et je pousse sur les jambes. J'ai un bon équilibre et je me rassieds. On essaie que les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Hop. Parfait. Maintenant, on va faire le même exercice, mais dès qu'on touche la chaise, on se redresse. On ne s'assied pas vraiment. Donc ici, hop, on fait travailler les cuisses. Je m'abaisse. Hop là, je me redresse. On respire, je m'abaisse et je me redresse. Mes genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Vous avez vu? Ici, si je suis trop en avant, il va y avoir trop de surcharge sur mes genoux. Donc, c'est le bassin qui va en arrière et les épaules en avant. Mon dos reste pratiquement droit. Hop, je me redresse. Mes bras sont vers l'avant pour l'équilibre. Et on continue. Mes pieds ne sont pas serrés, ils sont à la largeur de mes épaules. Ok. Parfait. Ici, vous allez vous mettre derrière votre chaise. Donc, vous êtes derrière votre chaise, debout. Je vous laisse le temps de boire un petit coup d'eau ou de vous mettre derrière la chaise. Si jamais vous êtes un peu essoufflé, on respire. On ramène l'oxygène au corps. Et donc, ici, simplement. Je suis derrière la chaise, je vais me décaler sur la droite pour faire travailler la jambe droite. Et avec cette jambe droite, je vais faire un balancier d'avant en arrière, doucement. Ici, on fait travailler la hanche. Ceux qui ont des prothèses de hanche, on fait doucement. On ne fait pas des grands mouvements. Pour ceux qui n'ont aucun souci au niveau des hanches, au niveau des jambes, si vous vous sentez bien en forme, on agrandit, on fait un plus grand mouvement au niveau de la jambe. Quand je vais vers l'avant, mon corps va un peu vers l'arrière. Quand je vais vers l'arrière avec la jambe, mon corps se penche un peu en avant. Pour avoir un peu plus de stabilité et d'équilibre, je peux fléchir le genou de la jambe qui reste au sol. Hop. On essaie de ne pas balancer la jambe dans tous les sens. On essaie de maîtriser les mouvements. Ok. Bien sûr, vous ne changez pas la chaise de sens. Moi, je le fais pour que vous puissiez voir l'exercice. C'est le même exercice, mais côté gauche, vous vous décalez simplement sur la gauche et on fait travailler la jambe gauche maintenant. Le même exercice. On commence doucement, on ne fait pas des trop grands mouvements. Je ne vous l'ai pas dit, mais regardez, je me tiens à la chaise. Je suis équilibré, mais j'ai quand même ici la chaise pour avoir une bonne stabilité, éviter de perdre l'équilibre.
On va un petit peu plus loin dans les mouvements si on y arrive. Si on n'a pas de problème d'équilibre. La jambe qui reste au sol se fléchit légèrement. Parfait. On relâche les jambes. Ici, je suis derrière la chaise toujours. Je respire une ou deux fois. Et je vais monter sur la pointe des pieds. Je tiens la chaise pour l'équilibre. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. On ne compte pas le nombre de fois qu'on le fait. Sentez si vous en avez fait assez. Arrêtez les exercices, respirez, buvez un petit coup d'eau avant l'exercice suivant. Et on continue. Parfait. On est toujours derrière la chaise. Si vous avez des soucis, vous vous asseyez. Si vous avez mal aux jambes, vous ne faites pas l'exercice suivant. Sinon, pour les autres, on se tient à la chaise pour l'équilibre. Le pied gauche travaille, il s'écarte, il revient. Et on continue. On fait attention aux hanches si on a des problèmes. On fait travailler. Si on a un bon équilibre, si on travaille bien, les mains arrivent aux hanches. On fait le même exercice, mains aux hanches. Toujours prêt à rattraper la chaise si on perd l'équilibre. Ici, ce sont des exercices, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font un petit peu de renforcement musculaire. On travaille un petit peu plus. On a bien échauffé le corps, on a échauffé les muscles et les articulations. On change de jambe. On fait le même travail avec l'autre jambe. Donc après avoir fait un bon échauffement articulaire et musculaire, on peut ici faire travailler le corps, avoir un renforcement musculaire léger, sans souci, puisqu'on s'est bien échauffé avant ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'essaie de vous faire travailler un petit peu toutes les parties du corps, tous les muscles. Ok, on relâche et on s'assied sur la chaise à nouveau. Voilà, buvez un petit coup si vous en avez besoin. On s'assied, on relâche les jambes, on respire, on se détend. Ici, on laisse les bras le long du corps. On va faire un petit étirement pour récupérer un petit peu, avoir le temps de respirer et ramener l'oxygène, l'énergie aux muscles et au corps. Donc, on va se pencher sur la gauche. Je me penche et avec mon bras droit, je vais le lever. On fait travailler l'étirement latéral du corps. Donc, ici, je sens l'étirement qui se produit. Si j'ai mal, je ne vais pas plus loin. Je peux même déposer mon bras au niveau de l'oreille, hein, ou au niveau des cheveux, de la tête. Si je vais plus loin, je peux encore aller plus loin. On évite de se pencher en avant. On reste bien dans un étirement latéral, pas vers l'avant. Et donc ici, je sens l'étirement. Comme c'est un étirement, on reste plusieurs secondes. On reste tranquille. On respire. Et on va essayer d'éviter de faire des à-coups qui ne sont pas bons du tout. Donc ici, petit à petit, on va un petit peu plus loin si on y arrive. Sinon, on va chacun à son niveau, à son degré de flexion, d'étirement. On revient doucement. On ne va pas trop vite. On va de l'autre côté. On se penche à droite. Je lève le bras gauche. Je laisse aller ma nuque. Et ma main arrive près de mes oreilles, de mon oreille, de mes cheveux. Et je sens ici tout l'étirement du côté de mon corps, un étirement latéral. Bien respirer. Et on revient. Parfait. On travaille un peu les jambes. Donc ici, si je suis au fond de ma chaise, c'est assez simple. Donc je vais avancer pour avoir beaucoup de liberté au niveau des jambes. Je suis bien équilibré. Et simplement, on avance une jambe qui se tend, elle revient. Et la jambe droite. Et la gauche. Et la droite. Simplement une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Gauche, droite. Gauche, droite. En faisant cet exercice-ci, on peut aussi compter. Regardez, je vais compter. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. On va faire un autre exercice. On va écarter la jambe gauche, elle revient. La jambe droite, elle revient. Ici, je suis
droit avec mon corps. Je sens bien les muscles abdominaux qui travaillent. Et on continue. Et gauche et droite. Gauche et droite. Et on va compter non plus 1, 2, 3, 4, mais on va faire 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et on continue. 6, 7, 8. Il y en a certains qui ont déjà compris, à mon avis, où je voulais en venir pour l'exercice suivant. 7 et 8. On fait une pause, on respire. On va assembler les deux exercices que l'on vient de faire. 1, 2, 3, 4 vers l'avant, 5, 6, 7, 8 vers le côté. Puis on recommencera. On commence ensemble avec la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est plus obligé de compter. On peut faire les mouvements simplement. Maintenant qu'ils sont intégrés, on peut faire les mouvements en se concentrant légèrement sur ce que l'on fait. C'est parfait. On relâche les jambes. On est bien droit sur la chaise. On est détendu. On est relâché. On respire une ou deux fois. Ok, voilà, donc ma leçon, mon cours se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous y retrouvez un petit peu de satisfaction, d'énergie pour le reste de la journée, ou en tout cas que vous avez travaillé et que vos muscles et votre corps vous diront merci. Passez une bonne fin de journée.